Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla diamond painting. Je pense que je vais les appeler comme ça. De toute façon, le titre sera le titre. donc c'est la première vidéo que je fais de cette sorte et c'est la première vidéo que je fais avec ma nouvelle caméra. Donc c'est pour ça que là je filme, il est... je vais vous dire ça, il est 22h51 exactement. Je suis sur mon bureau où je fais du DP avec ma lampe, mais normalement la qualité est censée être très très potable puisque c'est la nouvelle caméra. Par contre, la vue est en contre-plongée tout simplement parce que le petit trépied ne permet pas en fait de faire une vue du dessus. Et Arnaud va me bidouiller un truc en fait pour que je puisse mettre, pour que je puisse filmer du dessus. Mais là, je me dis que même en contre-plongée, vous pouvez voir de près ce que je fais normalement. Ça devrait être pas trop mal. Et vous allez pouvoir voir, voilà, vous allez pouvoir voir mes petits accessoires si je vous montre des trucs. Normalement, c'est censé faire le point, voilà. Ouais, nickel. Bon, du coup, on va attaquer. Ça va durer à peu près, je vais essayer de pas faire plus d'une demi-heure. Donc, je pense que j'aurai pas le temps de finir ce gros carré, parce que comme vous pouvez voir par rapport à ma main, il est assez gros. Mais voilà, on va papoter un petit peu de tout ou de rien, je ne sais pas encore, je n'ai pas prévu de sujet précis, mais on va voir ça. Puis en même temps, voilà, si je peux vous donner des petits conseils, des petits trucs pour ceux qui débutent, ça serait avec grand plaisir. J'aurais dû couper la télé par contre, attendez. Mais voilà, alors j'ai coupé la télé, en plus ça faisait un petit bruit de fond. Du coup, pour ceux qui débarquent, je fais une toile 70-90. Avec ce modèle-ci, donc je vais vous montrer tout de suite. Tac. Voilà, avec un Père Noël un peu vintage. Et là, je vais vous montrer, est-ce que j'ai ma petite pince sous la main? J'en suis à peu près ici. J'ai fait ça. Voilà, en largeur, vous voyez, je vous montre bien. J'ai fait la première étoile, j'ai fait le sac, et là, je suis en train de terminer en fait ce bout-là. Le petit espace en haut. Là, j'ai fait le bas. Et là, je suis vraiment sur à peu près là. Voilà, le petit carré, ça doit être à peu près ça. Voilà, c'est-à-dire qu'après, une fois que j'ai fini du coup tout ce bas, je remonte là. Et là, on va être sur la haute et tous ces petits détails. Avec tous les petits cadeaux, les petits trucs. Donc là, il va y avoir des couleurs. Déjà que sur ce carré-là, il y a pas mal de couleurs par rapport à tout ce que j'ai fait qui est assez... je ne sais pas si vous allez voir... Tout le reste est assez rouge, noir. Là, hop, là, on est vraiment sur des couleurs qui sont plus... il y a plus de mélange de couleurs. Bref. Donc voilà, la vue en contre-plongée sera changée quand Arnaud m'aura trouvé de quoi bidouiller. Ça, c'est mon petit aimant. C'est un aimant qui me sert à tenir le petit papier, en fait. Et c'est un petit chaudron et à l'intérieur je mets mes petits aimants qui sont cassés puisqu'on a toujours des petits débris, des petits trucs, c'est tout à fait normal. Après, suivant les vendeurs AliExpress, il y en a plus ou moins. Et là, pour vous dire, depuis le début, j'ai ça en déchet, c'est-à-dire quasi rien. Voilà. Et le noir est assez réputé pour faire pas mal de déchets, donc voilà. Ma toile vient du vendeur AliExpress Home Fun. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci avec ce vendeur. Les diamants sont hyper bien taillés. En tout cas, moi, je fais en carré. Avec les ronds, vous avez encore moins de risques d'avoir de soucis de diamants. Du coup, voilà, si dans cette première vidéo, je peux vous donner des petits tips, des petits trucs et tout, ça serait avec grand plaisir. Alors là, j'étais en train de faire la couleur 814, je sais pas si vous voyez, et 814, c'est sur ma petite fiche de suivi, est-ce que vous allez voir, je ne sais pas, 814 c'est le 4, et le 4, il m'en reste quelques-uns, là je sais pas si vous allez les voir parce que je suis pas du dessus, mais il m'en reste quelques-uns ici aussi, là on les voit. Donc c'est parti, par contre il m'en reste presque plus, je vais peut-être en remettre tout de suite avec vous. Donc 814, j'ai mon petit carton, vous n'allez pas pouvoir voir, mais j'ai un carton plein, rempli avec tout mon stock pour cette toile-là. Et c'est vraiment un gros carton bien rempli. J'ai 814. Donc, en sachant que ma petite boîte, je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos de ces petites boîtes. C'est toute une boîte comme ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer.
Mais voilà, c'est toute une grosse boîte avec plein de petites boîtes de tic-tac, enfin format tic-tac. Je vais essayer, bougez pas, on va essayer de remonter un petit peu pour que je puisse vous montrer. Tac, voilà, là vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Et en sachant que je ne me suis pas servi de tout, je crois qu'il y en a 64 à l'intérieur. Et toutes celles-là, par exemple, elles sont vides. Toutes celles qui sont étiquetées, c'est les différentes couleurs que j'ai besoin. Je ne sais pas combien il y a de couleurs pour ce truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 et 6, 12, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 couleurs. Donc, ce qui est quand même pas mal. Et du coup, voilà, c'est des petites boîtes format comme ça. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai un lien AliExpress et un lien Amazon, en sachant que moi j'ai commandé sur les deux. C'est exactement les mêmes boîtes, mais Amazon, si vous êtes Amazon Prime, en plus vous recevez en 2 jours, quoi. Tandis qu'AliExpress, faut compter au moins 2 semaines minimum. Voilà, donc ça dépend pour quelques euros de plus si vous êtes pressé, on va dire. Tac, on va se remettre en vue contre-plongée. Et du coup, les petits sachets, voilà, chez Homefun, en tout cas, enfin, chez tous les vendeurs, ça peut être pareil, mais c'est comme ça. Et moi, je les ouvre dans mon petit truc, et après, je les mets dans ma boîte. J'ai pas mes ciseaux, là. D'habitude, c'est plus simple de faire une petite encoche avec mes ciseaux. Tac. Donc, si vous avez des questions sur le DP, n'hésitez pas. Alors, j'ai pas la science infuse. J'ai découvert ça vraiment fin d'année dernière. J'ai ma belle-sœur qui m'a offert une petite toile pour Noël, Harry Potter. Et du coup, voilà, j'ai découvert ça comme ça. Donc n'hésitez pas en commentaire. Vous avez aussi le groupe Facebook que j'ai créé bah, sur Facebook. Un groupe privé où on se retrouve toutes et tous. Enfin, je crois qu'il n'y a pas encore de garçons, mais vous êtes les bienvenus, les mecs, hein, si vous voulez venir. Où on partage nos achats, l'avancée de nos toiles, et tout, et tout, et tout. Et puis, il y a pas mal de gens qui débutent, qui viennent pour avoir des renseignements. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous renseigne et que d'autres personnes vous renseignent si elles le souhaitent également. Hop, alors, j'ai un petit entonnoir exprès, un tout petit entonnoir, mais là, je ne l'ai pas sous la main. Il faudrait que je le mette à mon bureau, en fait, mais je ne l'ai pas. Il est dans mon bureau atelier. Donc, du coup, je fais comme ça, et ça va très bien. Bon, là, c'est un peu risqué, parce que je le fais au-dessus de la toile. Hop. Il faudrait que je fasse des vidéos ASMR Diamond Painting. Voilà. En général, on peut mettre juste dans les petites boîtes comme ça, on peut mettre 4, voire 5 sachets si on tasse bien. Mais bon, en général, j'en mets 4. J'en laisse un petit peu dedans puisque je vais faire des 4. Et vous voyez, ça remplit bien ma petite boîte. Du coup, pour ceux qui ne connaissent absolument pas le diamond painting, c'est-à-dire que c'est le même principe que les coloriages mystères, que les toiles à l'époque avec les numéros, vous avez donc votre toile. Et vous avez des petits codes couleurs, donc H, I, N, 6, enfin des lettres et des chiffres. Et vous avez du coup votre fiche de suivi avec la correspondance des lettres et des sachets de couleurs avec le numéro. La fiche de suivi, elle se présente en général comme ça. C'est-à-dire que là, vous avez le nombre de couleurs, donc j'en ai 42, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, il me semble. On voit que j'en ai 42 couleurs différentes. Plus il y a de couleurs, plus votre DP va être beau puisque vous allez avoir plus de teintes, donc plus de relief, plus d'ombre, plus de lumière. Idem, plus vous allez prendre votre toile grande, plus elle sera belle. Si vous prenez du en dessous de 40 par 40, le résultat va être très pixelisé. Je dirais que pour débuter 40 par 40, c'est le minimum. Et encore, si vous prenez 40 par 40, prenez pas une image avec plein de détails parce que ça va pas rendre hyper, hyper joli. Mais en tout cas, c'est le minimum si votre image est assez simple. Et après, plus vous allez prendre grand, plus le résultat va être détaillé. Moins ça va être pixelisé, en tout cas, c'est le but. Et donc après, voilà, les fiches de suivi changent un peu d'un vendeur à un autre. Mais en général, c'est ça. Vous avez le nombre de couleurs. Vous avez les codes couleurs. Vous avez ici les DMC, chez Homefun, c'est des EMC, mais bon, c'est les codes couleurs, donc les numéros qui sont sur les sachets.
Ici, vous avez le nombre de sachets différents. Par exemple, le K, c'est la couleur 310, c'est le noir. Souvent, ça dépend les toiles, mais c'est la couleur qu'on a souvent le plus, le blanc et le noir. J'ai dans mon stock 58 sachets de 310. Donc ça, c'est le nombre de sachets. Et ça, c'est le nombre de diamants. 11 519 diamants noirs. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la fiche de suivi. En sachant que vous avez des petits sachets. Donc, je vais vous montrer par exemple. Bougez pas. Voilà, ça c'est des petits sachets. Et vous pouvez avoir des plus gros sachets quand il y a, par exemple, le noir, souvent, ils mettent, ou le blanc, ils mettent des plus gros sachets qui contiennent plus de diamants. En sachant qu'un petit sachet comme ça, un gros sachet est égal à 5 petits sachets comme ça. Donc c'est intéressant à savoir quand on fait le, si vous faites le checking, quand vous recevez votre toile et que vous voulez vérifier si le vendeur n'a pas oublié de sacher, si jamais vous voyez que vous avez un gros sachet de diamants et que le numéro là de sachet ne correspond pas, que vous avez l'impression qu'il vous manque des sachets, et ben c'est sûrement que les sachets sont plus gros et du coup un gros sachet contient l'équivalent de 5 petits sachets. Voilà. Mais parfois, ça arrive que les vendeurs oublient des sachets. Moi, ça m'est arrivé. Vous allez voir, peut-être que l'unboxing aura déjà été en ligne. Mais j'ai un vendeur qui a oublié deux sachets et je l'ai contacté. Il m'a répondu le lendemain pour me demander exactement la couleur et il m'a dit qu'il me renvoyait ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je veux dire, le mec se trompe. C'est humain de se tromper. Du coup, mais je vais pouvoir vous montrer ce que je fais quand j'ai plusieurs couleurs de, enfin plusieurs diamants de la même couleur à poser. Alors attendez. Là par exemple les 4, vous ne voyez pas du dessus, mais vous voyez que j'ai plusieurs 4 côte à côte. Donc pour que la pose soit droite, moi c'est ma technique à moi, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Je prends ma petite pince, donc c'est une pince hyper pointue. D'ailleurs, si jamais vous me suivez sur mon compte Instagram, je ferai un concours le 25 décembre pour vous faire gagner plusieurs petites choses autour du DP, dont une grande toile avec des diamants ronds. Puisque si jamais voilà, vous ne connaissez pas du tout, vous avez les diamants ronds et les diamants carrés. Les diamants ronds sont plus rapides et plus faciles à poser parce que vous n'avez pas besoin que ça soit bien pile poil aligné et tout. Alors bien sûr, il faut faire attention, mais voilà, c'est pas, vous n'êtes pas obligé que ça soit pile poil bien aligné. Et j'ai fait exprès de prendre rond parce que si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de DP, elle ne va pas galérer 30 ans à faire sa toile. Surtout que j'ai pris une toile assez grande et sur le thème de Noël. Moi, du coup, je préfère faire les carrés, mais ça, c'est très personnel. Et quand voilà, j'en ai plusieurs à côté, pour que la pose soit bien droite, parce que je suis un peu psycho là-dessus, je fais avec la pince. Et je vous mets une pince comme ça à gagner dans le concours du 25 décembre. Donc après, c'est un coup de main à choper, hein, une fois que vous l'avez chopé. Voilà, je prends mon truc et je pose un diamant sur deux avec la pince. Donc je crée ce que j'appelle un damier. Ça me permet en fait d'avoir la place avec ma pince, d'avoir la place de bien poser les damiers, les diamants dans le remplacement. Tac. Voilà. Si vous entendez parler derrière, c'est Arnaud qui est dans le bureau. Il joue avec son pote, je sais pas quoi. Je sais plus à quoi il joue, mais. Donc c'est possible que vous l'entendez un peu comme le micro maintenant est d'assez bonne qualité. Moi, j'essaye de ne pas parler fort pour que ça soit une petite vidéo cool à regarder le soir en mode chill. Si vous voulez vous poser ou faire du DP en même temps ou autre chose. Hein. Voilà, je ne vais pas gueuler dans cette vidéo. On va se faire le truc à la cool. Donc voilà. Hop, imaginons, voilà, sur le petit bout, j'ai posé un diamant sur deux. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Une fois que j'ai fait mon petit damier, donc là, il était super petit, mais pour les grandes zones, comme vous pouvez le voir là, en noir, ça faisait des gros damiers, quoi. Je prends mon stylet, donc après le stylet, c'est personnel. Vous avez un stylet classique qui est offert. En fait, quand vous commandez votre toile, vous avez un kit, ce qu'on appelle le kit tool, enfin le tool kit, le kit d'accessoires en fait de base. Et je vais vous le montrer puisque j'en ai un là, puisque j'ai reçu une toile aujourd'hui que je vous montrerai en unboxing. Voilà, ça c'est le tool kit de base. Dans le tool kit de base, vous avez une petite, comme moi, une petite coupelle. Un pain de cire dans lequel vous allez devoir tremper le bout de votre stylet pour pouvoir choper les diamants. Et vous avez, en général, ça c'est vraiment le toolkit de base celui-là. Vous avez, je vais essayer de vous dézoomer du coup pour vous montrer bien le toolkit. Vous avez ensuite un stylet tout à fait classique. Voilà.
une petite pince. Alors, elle n'est pas ouf, celle-ci, c'est celle que j'avais pour commencer, hein. Elle n'est pas ouf, mais franchement, j'ai posé énormément de diamants avec, donc il n'y a aucun souci. Et on vous met des petits sachets zip si vous voulez après ranger le surplus de diamants que vous avez quand vous avez fini votre toile. Voilà, ça c'est le toolkit vraiment basique. Celui que vous allez avoir en général avec votre toile. Après, si jamais c'est un truc qui vous plaît et tout, à vous d'investir si vous le souhaitez dans d'autres stylets, d'autres accessoires. Moi, je vais vous montrer les deux stylets que j'ai, mes deux chouchous. Alors peut-être que je serai amenée dans le futur à en découvrir d'autres, hein. Mais je vais vous montrer en tout cas les deux, mes deux préférés. La caméra, elle veut pas faire le point bien comme je veux. Bon, je vais re-reculer. Du coup, il faudrait que je regarde de près comment on fait la mise au point. Voilà, normalement là, ça va. Du coup, moi, en stylet, celui que je me sers le plus, c'est celui-ci que j'ai trouvé sur AliExpress. Il est aussi sur Amazon, bon, un petit peu plus cher comme d'habitude, puisque vous n'avez pas le délai d'attente d'AliExpress, mais c'est les mêmes produits, hein. Donc, il est tout en résine transparente. Je ne sais pas si ça va vouloir faire le point, mais... Je ne sais, oula, tout ce casse-labinette à côté de moi. Bref, il est en résine tout transparent comme ça. Ça, bon, je pense que vous voyez quand même. Et le deuxième que j'aime bien aussi, quand j'ai besoin de faire du truc plus précis, c'est celui-ci qui est très très beau. Tout ce que je vous montre, si ça vous dit, je vous mettrai les liens bien évidemment. Tac. Et du coup, vous voyez, voilà, lui est plus fin que l'autre. Mais je préfère celui-là quand même. Je vais plus rapidement avec celui-là, et celui-là, je m'en sers vraiment quand j'ai envie de faire de la précision. Et dans celui-ci, il y a des petits diamants dedans. Voilà, mais il est plus lourd. Du coup, si vous ne connaissez pas du tout, vous prenez donc votre pain de cire. Donc là, où est-ce que j'ai mis celui de tout à l'heure? Tac. Parce qu'en fait, moi, je ne me sers plus de la cire de base, hein, mais je vais vous expliquer. Vous prenez votre pain de cire, donc là, bon, là, il a été cassé au transport, mais c'est pas grave, hein. Après, vous pouvez, c'est mou, c'est de la cire, hein. Il y a un petit film transparent que vous soulevez, vous piquez votre truc à l'intérieur, votre stylet, et ça vous met de la cire dans l'embout. Et la cire va servir à choper les diamants, à ce que ça accroche sur le stylet. Moi, ma technique, et j'ai converti plein de personnes, c'est que le problème avec cette cire, alors elle, ça fonctionne très bien, c'est la cire de base, mais pour moi, quand après vous placez vos diamants, ça laisse des petits dépôts en fait sur les diamants que j'aime pas du tout, et je trouve que ça lâche, ça chope pas aussi bien les diamants et ça colle plus très rapidement. Donc moi, je me sers de la pâte à fixe, qu'on trouve en grande surface, tout à fait classique. Là, je vais vous montrer, je vais la changer, parce que du coup, la pâte à fixe, ce qui est bien, c'est que on peut faire plus longtemps du DP sans la changer. Donc avec ma petite pince, je viens choper le bout qui ne colle plus à l'intérieur. Bon, là, bien sûr, je vais galérer alors que c'est tout bidon à enlever. Mais comme je filme, bien évidemment, comme par hasard, je vais galérer. Vous chopez donc le petit bout de pâte à fixe à l'intérieur. Là, comme par hasard, elle colle. Bon, en même temps, elle n'était pas si vieille, je voulais vous montrer, mais... J'ai juste à tourner normalement, et ça sort très rapidement. C'est la seule fois où je galère, comme par hasard. Mais oui, c'est parce qu'elle collait encore, je pense. Je l'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, bref, on va dire que j'ai tout enlevé. C'est très rapide, normalement, mais... Je prends ma pâte à fixe. Et... Je viens piquer à l'intérieur, j'appuie, bon là je viens de le faire sur la toile, c'est bon, et ça m'a rempli l'embout de pâte à fixe toute neuve et toute collante, et c'est parti. Donc autant vous dire qu'avec un gros paquet de pâte à fixe, vous en avez pour toute la vie. Du coup, une fois que j'ai fait le damier, boum, on vient prendre le diamant, ça le chope direct, il n'y a même pas besoin d'appuyer. Et l'avantage d'avoir fait le damier, c'est que vous avez déjà fait la base de la pose droite. Et vous n'avez plus qu'à remplir, sans trop réfléchir en fait si vous mettez droit ou pas. Parce que vous avez déjà fait en fait votre pose de base. Donc du coup, vous êtes tranquillou. Vous pouvez appuyer tant que vous voulez sur vos diamants. Vous ne laisserez pas de résidus avec la pâte à fixe. Ça, c'est l'avantage. Alors après, j'ai pas testé de sous-marque de pâte à fixe, donc je ne sais pas, peut-être que la sous-marque, ça laisse des résidus, j'en sais rien. Moi, c'est la Scotch, la marque Scotch. Donc du coup, j'ai aucun problème, quoi. Puis vous voyez, j'ai fait
Je sais pas combien d'heures de DP, je m'en suis encore au début du paquet. Hein. Donc c'est hyper économique, je trouve. Et puis c'est un gain de temps, ça chope tout de suite les diamants. Enfin, par rapport à la cire, je trouve. Pour avoir testé les deux pendant plusieurs heures, enfin, je reviendrai pas à la cire, c'est sûr de chez sûr. Tac. Enfin voilà, l'avantage c'est que le damier est fait. Et puis le remplissage, comme vous pouvez le voir, enfin, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Est-ce que je pose droit? Est-ce que mon carré est bien droit? Non, vous remplissez. Puisque la base droite, vous l'avez déjà fait à la pince. Mais ça, après, enfin, voilà, il y en a qui n'arrivent pas du tout à faire des poses à la pince. Je peux comprendre. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui n'arrivent pas. Donc, voilà. Moi, c'est parce que je trouve ça plus rapide. Et au moins, la pose est droite, quoi. Après, ça arrive hein, qu'on pose un truc un peu de travers. Si vraiment, vous voyez que votre diamant, il saute, que vous l'avez mis de travers à l'arrache ou un truc comme ça, vous pouvez toujours... Je vais vous montrer avec un que j'ai posé il y a quelques temps. Par exemple, imaginons celui-là, je l'ai posé. On va prendre un peut-être plus près de vous. Celui-là, imaginons je l'ai posé à l'arrache. Vous pouvez avec votre pince doucement le décoller. Et vous pouvez toujours le recoller bien. Et après vous appuyez. Tac. Et puis voilà. C'est pas une fatalité si jamais vous avez collé un diamant un peu de travers. Il y a toujours moyen de le récupérer hein, et de le remettre droit. Donc voilà, ça c'était vraiment les trucs de base, je vous ai montré le toolkit, je vous ai montré moi ce que j'utilisais, j'utilise pas tant de trucs que ça, j'utilise donc les deux stylets que je vous ai montré, la pince noire, le petit aimant ici que j'avais eu sur AliExpress qui me sert à tenir le petit feuillet en fait, c'est le petit feuillet qui recouvre, je vais vous montrer, voilà c'est le feuillet qui en fait qui recouvre, voilà c'est pour éviter que ça fasse comme ça, et une fois qu'on a goûté aux aimants, bah... C'est vrai que c'est hyper pratique. Il y a un petit aimant à l'arrière, en fait. À l'arrière. Et vous mettez le deuxième aimant sous la toile et les deux s'aimantent, ce qui fait que ça tient votre feuille. En sachant que moi, j'ai commandé de quoi vous proposer des petits aimants à petit prix. J'ai commandé des petits sujets sur AliExpress en résine. Faut que j'achète encore des aimants assez grands parce que j'en ai pas des gros comme ça plats. Et donc, ça sera pas de création en Fimo. Parce que pour faire des trucs petits, il faut que ça reste petit quand même. Pour être sur l'étoile, il ne faut pas que ça soit des trucs gros. Et petit, je ne pourrais pas faire des trucs avec des petits détails de fou. Donc là, ça sera vraiment des petits trucs voilà, que je vais monter moi-même, mais ça ne sera pas fabriqué moi-même. Et que je vous proposerai vraiment à petit prix, genre 2-3 euros. Hein. Et si jamais, voilà, si jamais ça intéresse quelques personnes. Et le modèle que j'ai choisi des petites figures en résine... avec les princesses Disney. Voilà, donc j'espère qu'elles seront belles et que je pourrai trouver des aimants de la bonne taille pour vous proposer ça, puis j'en garderai pour moi aussi. Tac. Donc là, je secoue pour remettre le maximum de diamants à l'endroit. Là, j'explique vraiment pour ceux qui ne connaissent pas, qui débutent. Tac. Donc alors oui, pour faire ce genre de truc, il faut être patient. Après, vous pouvez vous décorer une passion, ce que vous ne pensez pas avoir. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui, de base... Ça y est, je vais pas y arriver. Il y a des personnes de base qui sont pas du tout patientes et qui se découvrent une passion avec le DP. Hein. Où est-ce que j'ai oublié? Là. Même Arthur s'y est mis. Hein. Je lui ai pris des petits autocollants. Bah, vous les avez vus dans un unboxing, dans le premier unboxing que j'avais posté. Et il a fait un premier autocollant que je vous aurais sûrement montré dans un des vlogs de Noël. Mais au pire, je vous l'ai dans une autre vidéo où je vous montrerai l'avancée de ce que je fais en diamond painting. Je vous montrerai sa création et il a adoré. Mais je pense qu'Arthur sera comme moi et qu'il aimera tout ce qui est un peu manuel parce que c'est déjà le cas. Donc du coup voilà, il est super content. Et puis j'ai choisi voilà des petits autocollants. Du coup, c'est des trucs simples pour lui. Bon là, j'ai mis un petit peu de... Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis un petit peu de pâte à fixe parce que, sans faire exprès, ici, ouais, j'ai collé un petit peu mon stylet. Quand c'est un tout petit peu comme ça, c'est pas grave, parce que c'est galère après à enlever. Vous pouvez coller votre diamant par-dessus, ça va coller sans souci. Oui, il y en a qui m'avaient posé des questions sur comment ça fonctionne, en fait, la toile et tout. Là, vous voyez, par exemple, oui, je passe du coq à l'âne, mais... Ça fait quelques diamants que je pose et la pâte à fixe sort un petit peu. Donc vous avez juste à passer votre doigt comme ça et vous enlevez. Soit vous le re-rentrez dedans, le surplus, soit vous l'enlevez. Voilà. Du coup, ça fonctionne.
Ça fonctionne où vous avez du coup un papier de protection sur votre toile. Soit il est transparent, soit il est blanc. Et c'est la toile qui colle. Voilà, vous avez la colle qui est sur la toile. Du coup, ça fonctionne comme ça. Donc les diamants sont. C'est pour ça que les diamants se collent directement comme ça, sans avoir besoin de rajouter de colle. Et donc c'est pour ça que je déconseille fortement, pour ceux qui débutent, parce que vous ne le savez peut-être pas, j'ai déjà vu le cas, c'est pour ça que je le dis. Je déconseille fortement, peu importe la taille de la toile, mais d'enlever le papier de protection sur toute la toile d'un coup pour travailler juste un petit carré. Parce qu'en fait, plus vous allez laisser à découvert votre toile, plus la colle risque de sécher en fait, la colle qui est sur votre toile. C'est celui-là que j'étais en train de mettre? Non, c'est celui-là, je fais n'importe quoi. Donc voilà, vous pouvez. Mais je ne vais pas y arriver. Vous pouvez découper des petits carrés, c'est ce que je fais. Je découpe, je travaille par petits carrés, enfin petits, assez grands, mais vous découpez de la taille que vous souhaitez. Et au moins, tout le reste de la toile continue à être protégé par le papier et vous n'allez pas avoir la colle qui va se barrer. Voilà. Donc, du coup, je n'aurais pas avancé grandement, puisque là, on arrive au bout de la demi-heure déjà. J'aurais pas avancé grandement, mais c'était surtout pour vous expliquer en fait le principe de base du diamond painting. J'ai sûrement pas tout abordé et j'aborderai encore d'autres choses dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook, le lien est en barre d'infos. Je vous fais des bisous! Et donc, si vous souhaitez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Si vous avez des questions autres, moi, je referai d'autres vidéos où on continuera et je crois que j'ai mis tous les quatre. Je suis en train de chercher, mais je crois. Où on continuera et on avancera grandement sur la toile. De toute façon, elle fait 70 par 90. Je suis loin d'avoir fini, hein, n'est-ce pas? Et puis après, voilà, je continuerai à vous poster des unboxings et autre chose en rapport avec le diamond painting. Là, je suis sûrement lancée. J'ai envie de partager plein de trucs avec vous autour de ce sujet-là. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous laisse ici. C'était pas très passionnant niveau diamantage, mais au moins vous avez peut-être appris des petits trucs de base. Tac. Ah oui, je vais juste finir sur un tout petit truc pour tous ceux qui me demandent où commander, chez qui commander, etc. Je ferai peut-être une vidéo dédiée sur ça, mais pour vous le dire là brièvement avant de clôturer. Je commande mes toiles sur AliExpress. Il n'y a pas que AliExpress hein, qui fait des toiles. Mais c'est le meilleur rapport qualité-prix à condition de trouver le bon vendeur. Enfin, les bons vendeurs. Vous en avez plusieurs. Je vais vous donner un exemple de bon vendeur et je vous les écrirai en barre d'infos si vous n'avez pas le temps ou si vous ne comprenez pas ce que je baragouine dans la vidéo. Mais en tout cas, cette toile-ci, moi, vient de chez Home Fun. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils ont une très bonne réputation. Vous avez aussi Manui et Rachel Store. Vous avez Huacan, Evershine, j'ai plus d'autres, j'en ai plus d'autres en tête là. Ça c'est les vendeurs, on va dire les plus connus, ceux vers lesquels vous pouvez aller les yeux fermés. Niveau taille de diamant, etc., qualité de la toile, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, j'ai passé deux commandes sur, mais j'ai pas encore reçu, donc vous n'allez pas voir tout de suite les unboxings sur un site qui s'appelle Diamond Art Club, où c'est un petit peu la Rolls Royce du diamond painting. Les toiles sont pas mal plus chères, mais la qualité apparemment est un peu supérieure, enfin est supérieure. Et il y a des petits diamants spéciaux, des diamants aurore boréale qu'on appelle AB. Où ils ont, voilà, il n'y a pas beaucoup de diamants comme ça dans l'étoile, mais ils sont là pour apporter des touches de lumière, puisqu'ils ont leurs facettes qui sont vraiment toutes brillantes. Vous verrez quand à l'occasion je ferai une des toiles que je vais recevoir. J'en ai commandé trois, je crois, en tout. J'ai un peu craqué mon slip, mais j'ai pas encore reçu mes commandes. Donc voilà. Ça, c'est à peu près tout. Mais AliExpress, voilà, n'hésitez pas si vous trouvez un bon vendeur. Si c'est un vendeur que vous n'avez jamais entendu parler, regardez les notes qu'il a, le nombre de personnes qui suivent sa boutique et c'est les avis en fait qu'il y a sur la boutique. Et si vous voyez que les avis sont assez positifs en général, vous pouvez foncer les yeux fermés. En tout cas, peut-être pour une première fois, tester une toile pas très chère, pas très grande. Et puis, tac, je vais
Attendez, je vais préparer ma couleur d'après. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, tous ceux que j'ai dit, je vous les marquerai en barre d'infos et vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci. Après, il y a souvent des promotions. Donc, n'hésitez pas à surveiller les promotions quand c'est les soldes, quand c'est le Black Friday. Il y a souvent des petits codes, des petits trucs. Donc, il y a moyen d'avoir des toiles pour vraiment pas cher du tout. Voilà. Tac. Bien sûr, plus vous allez prendre la toile grande, plus elle va être chère. Là, je vais passer à la 321. Qui est les deux. Donc pareil, je vais faire une pause en damier, mais je ne vais pas le faire avec vous, puisque cette vidéo est déjà très longue. Et une dernière petite chose, vous pouvez également faire des toiles personnalisées, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer à un vendeur d'AliExpress une photo de votre famille, de votre enfant, de votre bébé, du bébé de votre sœur, enfin bref, une photo qui vous appartient. Vous l'envoyez en message privé à un des vendeurs AliExpress et vous lui dites « Voilà, j'aimerais une toile personnalisée avec cette photo. Quelle taille vous me conseillez pour que le rendu soit bien ?» Et le vendeur va vous conseiller une toile. Souvent, il va vous envoyer même un aperçu de ce que ça va donner avec la taille qu'il va vous proposer. Et ensuite, vous avez plus qu'à aller sur sa boutique, à choisir toile personnalisée. Vous passez la commande. Ensuite, vous le recontactez en message privé. Et vous lui dites, voilà, j'ai passé la commande. Voici le numéro de commande. Et lui, du coup, il associe votre demande avec la photo à la commande de toile personnalisée que vous venez passer sur sa boutique. Et vous recevez une toile tout à fait personnalisé avec la photo de votre choix. Voilà, ça c'est aussi une option. En sachant que vous pouvez très bien faire personnaliser non pas une photo de votre famille si vous le souhaitez, mais par exemple une image que vous avez vue sur internet qui vous plaît, mais que vous ne trouvez pas, soit un dessin animé, un film ou un truc que vous ne trouvez pas sur AliExpress. Vous pouvez très bien du coup demander à un vendeur de vous la personnaliser. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Arnaud débarque, il regarde ce que je fais. Ouais, t'as vu. On va la rendre à la chaîne. On n'est pas dans un vlog. Ne fais pas ton show, on n'est pas dans un vlog de Noël. Du coup, voilà, par exemple, si Harry Potter, c'est des choses qu'on ne trouve pas énormément parce que c'est sous licence, donc c'est sûr que les vendeurs d'AliExpress n'ont souvent pas les moyens de se payer les licences. Vous pouvez très bien trouver une image, par exemple, d'Harry Potter ou d'un Disney qui vous plaît sur Internet. Il faut que l'image, après, soit en très bonne qualité. Sinon, le rendu ne sera pas ouf du tout. Du coup, voilà, vous envoyez au vendeur. Vous lui dites, voilà, j'aimerais ça, quelle taille minimum, machin, il va vous dire, vous n'avez plus qu'à passer commande. Peut-être qu'un jour, quand je commanderai une toile personnalisée, parce que je ne l'ai pas encore fait, peut-être qu'on le fera ensemble. Je vous filmerai l'écran de l'ordi, comme ça, ben vous verrez ce que ça donne, en fait, de faire une toile personnalisée. Merci, mon amour. J'ai un dragibus livré en main propre. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette première vidéo. J'espère que j'ai pu un peu vous renseigner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas sinon à nous rejoindre sur le groupe Facebook pour poser vos questions également. Je serai là pour répondre ou d'autres personnes seront là également pour vous répondre. Et puis voilà, tout le monde est le bienvenu, débutant, pas débutant. On accepte tout le monde. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On essaiera de trouver un petit business pour filmer de haut. Ça sera quand même plus agréable pour vous, vous verrez mieux. Et puis, je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo, d'épée ou pas d'épée, mais en tout cas d'épée, ça c'est sûr que je vous retrouve bientôt. Bye bye!